Plus de 200 coureurs au départ de la deuxième édition des 10 km de la MGPS hier dans les rues de Jarry. Dès les premiers hectomètres, on retrouve en avant un petit groupe qui fera la course en tête jusqu'à l'arrivée. Eddie Clements de la mairie sportive de Fort-de-France, vainqueur de la première édition, et ses coéquipiers Fabrice Thierry et Rudy Wackler, ou encore Jean-Marc Pierre-Joseph de l'Athletic Club Saléen. Mais en embuscade, l'on retrouve le vétéran Eddie Boulat. Un quatuor se forme en tête, puis un trio, après que Rocklore se soit fait distancer. Le Gourbérien, toujours aussi solide, va augmenter la cadence à l'approche de l'arrivée et terminera les derniers hectomètres en solo sous les encouragements du public. Boulat remporte cette deuxième édition des 10 km de la MGPS devant Thierry et Clements. Les premières femmes sont les sœurs Laurent, Christelle et Christina, deux secondes plus tard. Une belle manifestation pour la promotion du sport que les organisateurs entendent pérenniser et pour laquelle ils ont choisi Antoine Chérubin comme parrain. Toutoun, qui était aux côtés d'un autre champion de la Guadeloupe, Christian Merlot, venu lui aussi apporter son soutien à cette initiative de la Mutuelle.